Mesdames, Messieurs, Mesdemoiselles, chers amis, je remercie tout d'abord Mathieu Soum, président du Cercle Maupou, pour son invitation qui m'honore, et Victor Alzingre, vice-président, qui m'a proposé d'intervenir sur le thème du lien entre la France et le christianisme, un thème effectivement assez délicat et que je suis particulièrement heureux de traiter devant lui, qui fut mon étudiant en première année de droit. Une première année où ces questions sont très, très évoquées. Je constate que le Cercle Maupou m'a invité à la date d'aujourd'hui, c'est un 13 janvier, et je ne peux pas ne pas remarquer que le 13 janvier, c'est la date de fondation en 1129 de l'Ordre du Temple, des Templiers, c'est-à-dire ce tout premier ordre religieux et militaire à la fois, cet ordre né de la conviction de la nécessité d'armer les défenseurs de la foi dans le contexte alors récent des croisades. Cette coïncidence des dates, qui peut retenir notre attention, n'est pas sans rapport avec une partie de notre propos. Et j'y vois donc ce que dans l'ancienne France on nommait la divine providence qui a ici remarquablement fait son œuvre. Alors, catholicisme et architecture culturelle de la nation, voilà un intitulé ambitieux qui demande d'abord une introduction. Une introduction, me semble-t-il, devrait commencer par définir des termes. Alors, commençons. Architecture culturelle de la nation. Architecture en français, architectura en latin, lui-même dérivé en fait du grec architectonia. Alors, l'architectus, ou le grec architecton, c'est le maître charpentier, c'est le maître constructeur. Et évidemment, il ne sera pas sans incidence que nous ayons à traiter de l'architecture de la culture au sein, évidemment, d'une civilisation chrétienne dont eh bien, le maître, le Christ, a travaillé et a été charpentier dans l'atelier de son père Joseph. En effet, c'est le maître charpentier, cet architecton, c'est celui qui, c'est resté le cas en latin, tectum, c'est celui qui couvre, qui charpente, donc qui structure, et qui protège, parce qu'il couvre. Tectum, ça donne le mot français toit, le toit. C'est donc celui qui va donner le toit. Et le toit, vous le voyez, c'est à la fois eh bien, ce qui nous permet de vivre. Hein, la précarité, qu'est-ce que c'est? C'est d'être sans toit. Et peut-être que nous connaissons, sans le réaliser tout à fait, même si nous, la plupart d'entre nous le sentons, une précarité culturelle, parce qu'il se pourrait qu'il y ait des trous dans notre toit, voire qu'on l'ait arraché. Et nous voyons aussi que le toit n'est pas seulement ce qui protège, mais c'est le fait, le sommet d'un édifice. Et clairement, ici, nous allons parler de ce qui est, historiquement, le sommet des édifices culturels. Et ce sommet est effectivement ce qu'on nomme la religion. Alors, il y a plus profond dans cette étymologie, car... architecton, donc c'est un terme qui est lui-même composé de deux éléments. On l'a dit, tecton, bâtir, plus largement produire, construire, mais construire à partir de l'arché. Architecton, c'est celui qui construit à partir de l'arché. Or, l'arché est un principe, c'est d'ailleurs un pléonasme que je suis en train de formuler, puisque arché signifie principe. Car qu'est-ce que ce mot du grec ancien? C'est un mot qui signifie fondamentalement deux choses, et le grec ancien a cette particularité de nous présenter les mots souvent avec une face externe et une face interne qui nous guide vers son sens profond. La face externe de arché, c'est le gouvernement. Comme dans archi, monarchie, monos,
Arcaïn, le gouvernement d'un seul, monos. Anarchie, l'absence de gouvernement. Oligarchie, le gouvernement de plusieurs oligoï. C'est donc le gouvernement, c'est le commandement. Mais pourtant, arché signifie aussi, en grec ancien, l'origine. Comme dans archaïque, comme dans archéologie. C'est donc le commencement, et telle est sa face interne. Et c'est le même mot dans cette langue originelle de la culture européenne. Et ce principe de l'arché signifie clairement qu'en Europe, le commandement est lié au commencement, que c'est le commencement qui légitime le commandement. Nous pourrions en parler longuement et nous verrions que ce que nous ment la légitimité, qui est quelque chose de bien différent de la simple légalité de papier, s'enracine systématiquement dans un rapport à l'origine. Rapport à l'origine très profane, très séculier, quand on pense que le seigneur médiéval, c'est le seigneur. Les seigneuresses, ce sont les vieilles familles fondatrices du pays. Si on pense aux Romains, aux patricia, l'aristocratie romaine, patresse, les pères, ce sont les pères fondateurs de Rome. Mais on pourrait tout simplement être dans les temps contemporains et parler des founding fathers américains. Et chaque fois, nous le voyons, dans ce que les Américains appellent en droit constitutionnel américain l'originalisme, l'autorité s'enracine dans le recours à l'origine. Alors en effet, parler d'architecture, c'est parler d'un processus qui part du principe pour bâtir. Pour la bonne raison qu'il est bon de partir du principe pour tenter de bâtir. Sans principes architecturaux, évidemment, on imagine que l'édifice ne sera pas très solide. Ce qui nous introduit au fait que, dans ce mot même d'architecture, qui dit de la façon la plus simple le rapport entre le commencement et le commandement, eh bien, si vous voulez édifier, diriger une construction, vous devez partir d'un certain nombre de principes. Et ces principes, quels sont-ils? Pour un architecte, ils sont la connaissance du réel physique, n'est-ce pas? Ce n'est pas très différent dans une culture. On pourrait parler d'un réel, si l'on veut, métaphysique, en prenant ce terme au sens le plus simple de « au-delà du physique ». Il y a aussi des principes sans lesquels on ne peut pas bâtir dans le domaine invisible, aurait dit saint Augustin, de la religion, et que, ici, nous chercherons à traiter d'une façon très modestement scientifique, si possible, c'est-à-dire de la culture religieuse. Alors, ce dont nous avons à parler, vous l'avez compris, c'est d'architectonique. L'architectonique, c'est l'art de structurer. Et cet art de structurer, ici, il s'applique à la culture. Architecture culturelle. Alors, qu'est-ce que la culture? Pour continuer cette introduction, c'est une caractéristique de l'homme. Cette caractéristique, elle a été identifiée dès qu'un discours s'est tenu en Europe. Toujours chez les Grecs, l'aurore de la civilisation européenne. Et en effet, dès les Grecs, il y a une constatation qui est faite dans la philosophie qui naît, on le sait, dans l'Athènes du 5e siècle avant Jésus-Christ, dans l'école socratique. L'école socratique, que ce soit Platon, que ce soit son élève Aristote, vont nous parler d'une dimension dichotomique de la vie humaine. Chez Platon, elle est bien connue, ce serait la différence entre le monde des essences et le monde de l'existence, le monde des principes et le monde de la manifestation. Il dit aussi, lui, déjà 400 ans pardon, avant le Christ, il dit déjà le ciel et la terre. Et
Ce n'est pas sans raison que la pensée platonicienne sera structurante de la théologie du premier millénaire chrétien. Nous aurons l'occasion d'y revenir brièvement dans quelques instants. Mais si je me tourne vers son disciple Aristote, je vois la même dichotomie identifiée par Aristote. Quelques années après son maître Platon, tandis que, comme dans le célèbre tableau de la Renaissance italienne, le tableau de Raphaël intitulé « L'école d'Athènes » où on voit Platon et Aristote marcher côte à côte, Platon le doigt pointé vers le ciel et Aristote le doigt pointé vers la terre, Aristote va expliquer de façon terrestre ce qui est chez son maître Platon une métaphysique sur laquelle je ne vais pas m'avancer aujourd'hui. Chez Aristote, d'une façon qu'il veut scientifique et qui est donc beaucoup plus proche de nos préoccupations contemporaines et extrêmement facile à saisir pour nous, Aristote dit « En effet, il y a une dichotomie chez l'homme, il a une partie terrestre et si on veut une partie céleste, une partie naturelle et une partie culturelle, parce qu'il est un animal particulier, il est, vous le savez, vous connaissez sa grande définition de l'homme, « Anthropos phousai politikon soon », l'homme est par nature un animal politique. Un zoon politikon, un animal mais politique. Pourquoi ? Parce que il n'est pas doté, vous savez que le père d'Aristote était médecin, Nicomaque était médecin, il était le médecin de Philippe de Macédoine. Et Aristote devait devenir le médecin de son fils, Alexandre. Finalement, il sera son maître mais pas son médecin. Eh bien, en tant que médecin, le père d'Aristote, même s'il est décédé précocement, lui a enseigné ce qu'est la constitution anthropologique de l'homme. Et l'homme, effectivement, a un certain nombre de dispositions qui lui viennent de la nature, qu'on appelle, du mot très général, d'instinct. Mais, par rapport aux animaux, Aristote constate, le premier, que l'homme n'a pas des instincts complets. L'homme est incomplet. Comme on dit à Marseille, il n'est pas bien fini. Il est inachevé. Et cet inachèvement se voit dans le fait qu'il n'est pas entièrement déterminé par l'instinct, n'est-ce pas ? Et cela est souvent une faiblesse, car l'homme hésite, l'homme se pose des questions en permanence. C'est une source évidemment de perte de temps, c'est une source de désorientation, ça peut être une source de délit et même une source de crime, car il ne connaît pas parfaitement sa voie, contrairement à l'animal, et c'est aussi une chance, parce que c'est cette absence de détermination qui lui ouvre le champ de la liberté, du libre arbitre. Mais néanmoins, pour que ce libre arbitre ne soit pas un chaos, il faut nécessairement parvenir à aménager une continuité entre ce qui est naturel et ce qui va être construit. Par quoi, en fait, on va le voir ? Par la culture. La culture dans un cadre qui est celui de la polis, nous dit Aristote, c'est-à-dire de la cité en grec, c'est-à-dire, en fait, ce que nous nommons nation. Et nous allons voir que les rapports sont profonds. Donc, dire que l'homme est un zoon politikon, est un animal politique, c'est dire que l'homme est par nature un être de culture. C'est une constatation que l'anthropologie n'a cessé de faire. Cette formule, l'homme est par nature un être de culture, est une formule d'un anthropologue allemand qui est peut-être le dernier grand aristotélicien, Arnold Gehlen, qui définissait l'homme de la sorte dans son ouvrage Der Mensch. C'est très juste. L'homme est par nature un être de culture. C'est-à-dire qu'il est obligé de continuer les impulsions de la nature en les prolongeant dans la culture. Nous en connaissons tous les signes évidents. Nous sommes venus en ce mois de janvier vêtus parce que nous n'avons plus de poils comme les autres animaux. Nous sommes dans une maison qui a été bâtie pour préserver notre nature humaine, qui n'est plus adaptée à ce qu'est le monde extérieur. Nous devons nous bâtir une seconde nature. C'est ça la culture, c'est une seconde nature. Et toute la théorie du droit naturel est une théorie selon laquelle le droit doit prolonger dans la culture
ce que sont les impulsions de la nature, ce qui pourrait nous mener très loin dans d'éventuelles questions. De la sorte, parler de seconde nature pour la culture, chose que faisait par exemple Blaise Pascal, qui parlait de seconde nature nécessaire à l'homme pour s'épanouir, c'est parler de cette nécessité pour nous de continuer notre nature dans une dimension qui est supranaturelle. Et il y a un lien originel entre le supranaturel et le surnaturel, évidemment. Ce qui signifie, évidemment, qui nous introduit à cette conviction que nous allons acquérir que la forme supérieure de la culture et la forme génésique de la culture est le surnaturel, en fait, est, on va le voir, le cultuel. Il y a du cultuel avant qu'il n'y ait du culturel. Et c'est dans cette première dimension religieuse qu'il va s'épanouir et se transmettre. Et terminons cette trop longue introduction, architecture culturelle de la nation. La nation, en effet, elle est la police, elle est la cité, telle que nous l'entendons aujourd'hui. Et dans ce mot de nation, alors nation, du latin nascor, naître, qui lui-même vient du latin natura, la nature. La nation est un fait de nature. Et penser que la nation est un contrat, comme on le pense aujourd'hui, eh bien, est contraire à l'étymologie. La conception objective de la nation est une conception, évidemment, qui a été pluriséculaire. Et naître dans un groupe humain, c'est ça être un national. C'est naître selon, bien sûr, le sang. C'est naître dans un groupe, une famille de peuple, une famille ethnique, assurément. C'est naître sur un sol, avec ses particularités de climat notamment. Aristote y était très attentif dans sa théorie des climats. Mais c'est naître aussi dans une langue, un logos. Et ce n'est pas pour rien que dans les universités médiévales, les nations, c'était le nom que l'on donnait aux différents groupes de langues dans une université. La langue était la langue savante, c'était le latin, j'y reviendrai dans quelques instants, mais on parlait des nationes, les groupes de langues, même si tous allaient parler la langue savante dans leur travail universitaire. La nation, c'est donc aussi la langue. Et c'est pour une raison fondamentale. C'est que dans le phénomène culturel, le phénomène fondamental est le phénomène linguistique. C'est une évidence. Il n'y a tout simplement pas de culture parce qu'il n'y a tout simplement pas de pensée sans langue. Si vous essayez là, tout de suite, de penser sans langue, vous ne pouvez pas. Si vous êtes très doué, vous pouvez éventuellement penser dans plusieurs langues. J'aurai un collègue qui pense dans plusieurs langues. Mais vous avez besoin de cette médiation de la langue, n'est-ce pas? La langue est la condition même de la pensée. Ce qui implique évidemment qu'une culture est déjà largement déterminée par la langue qui la porte. Et cette langue, ce verbe, ce logos, comme disent les Grecs, c'est à la fois la parole, le logos, et dans ces mots dont je vous disais qu'ils ont toujours deux faces, c'est la parole au sens externe du grec ancien, le logos, mais c'est la raison au sens interne. Ce qui signifie que nous ne pouvons avoir de raison, nous ne pouvons développer notre intelligence qu'à partir de la langue, et c'est cela le logos. Alors, dans ce phénomène, se dessine en particulier le phénomène religieux, c'est-à-dire le phénomène de ce qu'est une langue métaphysique, une langue qui dit le surnaturel, une langue qui dit le ciel, et donc largement une langue qui dit la culture, c'est-à-dire effectivement, ce qui dit le logos. À nouveau, comment être insensible au fait que dans la religion chrétienne, dans les premiers mots, évidemment, de l'évangile
de saint Jean, il est dit, vous savez que les évangiles sont écrits en grec, en arché, en o logos, dans l'arché, dans le commencement, était le Verbe. En effet, au commencement était le Verbe, et cette parole religieuse dans le catholicisme, elle est en fait tout à fait repérable dans l'ensemble des religions. Je passe rapidement car il nous faut progresser, mais dans le discours que la science des religions a entendu tenir sur les religions, et comme le temps nous est compté, je citerai essentiellement celui qui en a été l'un des grands noms en France, Émile Durkheim. Quand Émile Durkheim, sous la Troisième République, écrit les formes élémentaires de la vie religieuse, dans les formes élémentaires de la vie religieuse, en 1912, Durkheim écrit « Tous les groupes humains ont une religion ». Et cela mène Durkheim à dire que la religion est une caractéristique de la condition humaine, autrement dit que dire que l'homme est un tson politikon en grec, c'est aussi possiblement dire en latin cette fois qu'il est un homo religiosus, qu'il a besoin de se relier par une discipline particulière, la discipline religieuse, à quelque chose qui est plus grand que lui et qui est antérieur à lui. Encore une fois, le temps nous est compté, mais si vous allez relire cet ouvrage sur les formes élémentaires de la vie religieuse de Durkheim, vous verrez que Durkheim relie la religion au fait social. Pour Durkheim, la religion, c'est l'expression même du corps social, dans la nécessité pour lui de se sacraliser pour se continuer. Il y a des théories savantes de Durkheim en la matière. Il explique que dans le phénomène religieux se dégage ce qu'il appelle une électricité collective se dégage des rites collectifs et qui, aujourd'hui, n'a pas disparu, totalement sécularisé. C'est ce que vous voyez au pub pendant le match de foot. Une électricité collective, aujourd'hui, évidemment très pauvre, très vulgaire, mais qui demeure. Cette électricité collective, c'est ce qui, en permanence, ramène une énergie, alors qu'il appelle le mana. Il s'intéressait aux religions polynésiennes, et donc il y a ce terme de mana, qui est une énergie collective. Cette énergie collective, elle est indispensable, selon Durkheim, à la vie sociale. La société ne peut pas se poursuivre sans le renouvellement permanent de cette énergie collective. Et qu'est-ce que c'est que cette énergie collective? C'est le branchement sur l'origine. C'est-à-dire sur le... Alors, divers, selon les diverses religions. Le rattachement à une origine, à une source. La source, c'est le symbole de la fécondité, qui va réirriguer le corps social de son énergie première. D'où le caractère répétitif du rite, qui est indispensable parce que l'homme n'est pas un animal. Et que donc nous, on n'a pas des rites déterminés par l'instinct. Nous devons les répéter. Chaque jour, nous pouvons chuter, d'ailleurs, chaque jour régulièrement, nous chutons, et nous devons nous relever. Et le rite sert à cela par son rythme public, ce qui se dit en grec liturgia, liturgie, la manifestation publique. La liturgie n'est pas, comme le dit aujourd'hui le discours laïciste, ce qui doit se faire dans l'intimité de la vie privée. Si ça ne se fait que dans l'intimité de la vie privée, ça ne va pas durer très longtemps. La liturgie est publique par définition, parce que le rite a besoin de se répéter. Et c'est pourquoi, pour Durkheim, c'est indispensable, et c'est pourquoi il en vient à dire que, je le cite, « que l'idée de la société s'éteigne dans les esprits individuels, que les croyances, les traditions, les aspirations de la collectivité cessent d'être senties et partagées par les particuliers, et la société mourra. » Donc, pour Durkheim, perte de la religion égale mort de la société. Alors voilà qui devrait nous inquiéter, puisque nous sommes entrés dans l'âge de la sécularisation, l'âge des morts des religions, et c'est pourquoi nous devons nous poser la question de ce que devient ce lien dans notre développement. Alors, nous ne jetterons que deux éclairages très brefs, eu égard au temps qui nous est imparti, sur cette question.
Nous sommes contraints, me semble-t-il, de reconnaître dans un premier temps que le catholicisme est véritablement l'architectonique de la culture française. Le principe, nous allons le rappeler, constructeur, édificateur de la culture française. Ce qui nous mènera dans un second temps à identifier, pour cette même raison, dans le renversement du catholicisme, une désédimentation culturelle de la France. Pourquoi, dans un premier temps, doit-on traiter du catholicisme comme architectonique de la culture française ? Pour deux raisons. Deux raisons historiques, car s'il s'agit de construction, d'étages successifs, de sédimentation, de strates, alors c'est que nous allons suivre assez simplement un rappel chronologique de strates successives. Qu'est-ce que le catholicisme de ce point de vue ? C'est, dans un premier temps historique, le formateur de l'identité de la France comme pars europae, pars europae, part de l'Europe. Et ce n'est que plus tard qu'il a joué un rôle qui a mené la France à se considérer comme, on va le voir, un regnum primogenitum, un royaume premier, pour différentes raisons, ce qui va donner à la France une vocation particulière, si particulière qu'elle finira par non seulement faire estimer à l'État français qu'il est particulier en Europe, mais qu'il est, on le verra, dans la période contemporaine, séparé de la civilisation européenne. C'est une hétérotélie tragique sur laquelle nous allons revenir. Dans un premier temps, le catholicisme est formateur de l'identité de la France comme pars europae, part de l'Europe, car nous appartenons à l'Europe, c'est une évidence. Nous n'appartenons pas à l'Europe simplement par un hasard géographique. Nous appartenons à l'Europe par une nécessité linguistique. De fait, l'Europe, vous le savez, c'est le continent habité par une famille de peuples qui parlent des langues cousines. Vous avez tous remarqué que « mère »,« mater »,« mother »,« mutter »,« madre » étaient à peu près le même mot. Vous n'avez pas eu besoin de faire de la linguistique pour cela. Si vous aviez fait de la linguistique, vous auriez appris que ce sont les langues que les linguistes appellent, d'un mot un peu savant, indo-européennes, parce qu'elles sont communes à l'Inde et à l'Europe, qui ont structuré l'essentiel, disons, il y a des exceptions, finnoise ou hongroise, par exemple, mais l'essentiel des langues de l'Europe. Et donc, nous savons aujourd'hui que, effectivement, les peuples européens sont les locuteurs de langues dérivées d'une langue première, et s'il y a eu une langue première, c'est qu'il y a eu probablement un peuple premier ou un agrégat de peuples premiers qui constitue l'identité la plus ancienne de l'Europe, et cette identité est au moins néolithique, puisque les linguistes pensent que cette langue matricielle s'est développée vers 10 000, entre 10 000 et 8 000 avant Jésus-Christ. C'est dire que l'Europe n'est pas née d'hier, et certainement pas du traité de Rome, elle est née très profondément eh bien de son histoire, l'histoire de la sédentarisation des peuples de l'Europe au néolithique. Je passe sur cela, mais comprenons que dès lors que l'Europe est constituée d'une famille de peuples qui fut une. On peut poser au moins l'hypothèse qu'elle fut une. Il est plus facile de comprendre comment cette famille de peuples a cherché, après sa dispersion, la dispersion des peuples indo-européens se fait vers 5000 avant Jésus-Christ, elle va se faire en plusieurs vagues que nous connaissons bien, en Grèce, dans le Latium, dans les pays et les îles celtiques, et chez les Slaves, bien sûr. Eh bien, on peut comprendre que cette dispersion peut être la source d'une nostalgie pour l'unité qui va être portée par des mythes communs, une nostalgie vers la réunification de cette famille de peuples. Dans l'histoire, cette nostalgie a porté un nom dans l'histoire de l'Europe, c'est l'imperium, c'est-à-dire une forme suprapoliade
au-dessus de la cité, on dirait aujourd'hui supranationale, qui a été extrêmement prégnante pour l'histoire de l'Europe. Or, qu'est-ce que le catholicisme ? Bien, d'après les historiens des religions, c'est une religion impériale. Une religion impériale qui a été, pour nous, l'arche de l'héritage antique. La France est précédée par la Gaule. La Gaule appartient à l'Antiquité. Mais quant à la France, comment la France a-t-elle reçu l'héritage antique ? Elle va le recevoir, elle va le conserver, elle va le fixer, comme dans une technique architecturale, par le catholicisme. Pourquoi ? Eh bien, parce que le catholicisme est tout d'abord une création romaine. Non pas le christianisme, qui est une création du Christ, mais le catholicisme, qui est une création de Constantin et de Théodose. Le christianisme naît en 33, si l'on veut, lorsque le Christ, dans la dernière année de sa vie, dit à ses disciples « Allez et enseignez toutes les nations ». Ainsi naît en 33 la communauté de foi. Mais on est loin de la communauté de droit. Celle-ci ne naît pas en 33, mais en 313, par l'édit de Milan de l'empereur Constantin, juste après les pires persécutions de l'empereur Dioclétien qui n'ont pas suffi à décourager les chrétiens. Constantin, à l'occasion, vous vous en souvenez, de la bataille du pont Milvius, ayant le dessous face à Maxence, implorant tous les dieux et se mettant à implorer même le dieu auquel s'intéresse sa mère, l'impératrice Hélène, le dieu des chrétiens, remporte la bataille du pont Milvius. Il voit un signe, in hoc signo vinces, sous ce signe tu vaincras, c'est le signe de la croix qui se trace dans le ciel, il le fait peindre sur le bouclier de ses guerriers, et il gagne la bataille du pont Milvius en 312. C'est ce que nous dira l'apologétique chrétienne, en tout cas. Et c'est ce qu'il reconnaît lui-même, et il prend l'édit de Milan en 313, il autorise les chrétiens qui sortent des catacombes. Les chrétiens rentrent dans le droit romain, et le christianisme va rentrer dans le droit romain, tandis que la romanité va rentrer réciproquement dans le christianisme. Le christianisme des origines est une question religieuse dont nous pourrons parler dans les questions, mais il va devenir quelque chose de différent. Il aurait pu être autre chose. Il deviendra autre chose lors de la rupture avec le catholicisme dans le protestantisme. Mais pour l'heure, il va devenir l'Ecclesia Catholica Romana. Et c'est très rapide. En moins de 70 ans, en 67 ans, on passe de l'édit de Milan, autorisation des chrétiens, à l'édit de Thessalonique, le christianisme religion d'État, le début de l'union de l'Église et de l'État. 380, l'empereur Théodose. Le mot catholique est inventé par lui. L'édit de Thessalonique, 380, est un édit dans lequel l'empereur Théodose dit « Nous voulons adopter la religion des chrétiens comme religion de l'Empire. » On est au IVe siècle, il reste un siècle à vivre pour l'Empire romain. Les empereurs romains ont tout à fait conscience des problèmes d'hétérogénéité diverses et variées que la dilatatio imperii, l'extension incroyable de Rome, a créé. L'hétérogénéité et la crise profonde de Rome, le dernier espoir des empereurs est de refaire l'unité autour de cette religion. Ils font le pari chrétien. Et on peut penser qu'ils vont perdre le pari chrétien, c'est ce que diront certains historiens, comme le célèbre Gibbon, parce que Rome va s'effondrer. Mais le pari chrétien va se réaliser au Moyen-Âge, dans la Renaissance de Rome, comme vous le savez. Pour l'heure, en 380, l'édit thessalonique dit « Nous voulons que ces chrétiens prennent le nom de catholiques ».« Catholicos », c'est écrit en grec. Il y a prédominance de l'Empire d'Orient depuis Constantin, qui a fait bâtir Constantinopolis, Constantinople, Byzance. On comprend l'orientalisation de l'Empire. Et en grec, il est écrit donc que ces chrétiens doivent prendre le nom de catholicoi. « Catholicos », qu'est-ce que ça veut dire ? Aujourd'hui, on nous dit que ça veut dire universaliste, et c'est pourquoi le catholique est un ami du cosmopolitisme, nous dit-on, et notamment devrait être le relais naturel des phénomènes migratoires. Ce n'est pas ce que nous dit l'histoire, ce n'est pas même ce que nous dit l'étymologie. Catholique, ça signifie
conforme au tout. Kata, holos. Kata, conforme, selon, holos, le tout. Le holisme, c'est en sciences sociales la disposition d'esprit qui fait primer le tout sur les parties, qui pense que le tout, c'est plus que la somme des parties. Eh bien, telle est profondément la pensée antique, qui est une pensée profondément organiciste, profondément holiste, comme on dit en sciences sociales, comme le dit le grand Louis Dumont. Et c'est cela que signifie catholicisme, la conformité au tout, au holos, kata holos. C'est-à-dire le tout, le grand tout, la totalité, ce que les païens nommaient le cosmos, et qu'ils nomment l'un, unus, unum, et c'est ce que veut dire universel en réalité. Universel, universus, versus, unum, tourné, versus, vers l'un, unum. Nul cosmopolitisme en la matière, mais référence à un tout, à un un, à un principe, à un arché. Et cet arché est pour ces catholiques le logos. Alors, eh bien, c'est le début, effectivement, de l'union de l'Église et de l'État. Et cette union, qui semble n'avoir pas tenu ses promesses, parce qu'en 476, eh bien, l'Empire romain d'Occident s'effondre, mais non pas l'Empire d'Orient, qui connaîtra encore 1000 ans dans cette patrie constantinienne. Dans Constantinople-Byzance, jusqu'en 1453, la prise de Constantinople par les Turcs qui en feront Istanbul, l'Empire romain d'Orient vit encore 1000 ans. Les grands monuments du droit romain, le Corpus Iuris Civilis de Justinien, est fait au VIe siècle dans l'Empire d'Orient. Et en Occident, eh bien, ce vecteur du catholicisme, il va faire renaître l'Empire. Qu'est-ce après la chute de l'Empire romain que le catholicisme? C'est le vecteur de la reconstitution de l'Empire. Le catholicisme restera une religion impériale au Moyen-Âge dans deux étapes sur lesquelles je passe rapidement. La Renovatio Romani Imperi, la rénovation de l'Empire romain, qui est faite chez nous, en France, strate essentielle de l'architecture culturelle de la nation française. L'Empire carolingien. L'Empire carolingien qui naît dans une nuit de Noël, la nuit de Noël de l'an 800. À Rome, le pape Léon III fait de Charlemagne le nouvel empereur. Et avec la Renovatio Romani Imperii, qu'est-ce qui renaît? Il renaît cette catholicité, cette universalité, se tourner vers l'un. Que va faire Charlemagne? La première unité de l'Europe. Parce que la conquête musulmane a coupé le lien avec la source byzantine, la source constantinienne. Parce que, comme le dit le grand historien Henri Pirenne, la Méditerranée est devenue un lac musulman depuis l'Égypte. Les Francs vont reconstituer un axe autour du Rhin. Et cette Europe carolingienne, vous le savez, on l'a dit jusqu'au père de l'Europe dans les années 1950, c'est l'axe de l'Europe. C'est un axe carolingien, c'est un axe catholique. Et cette catholicité, eh bien, elle va se penser comme transmission de l'Antiquité. Quand on dit rénovatio, c'est qu'on veut rénover, faire renaître, n'est-ce pas? Que fait renaître l'Empire carolingien? L'idée d'Empire. Mais avec l'idée d'Empire, que fait-il renaître? La culture antique. Alors que les invasions germaniques l'avaient considérablement compromise. Cette culture antique, elle va renaître. À la cour de Charlemagne, on crée Alcuin. Le grand conseiller culturel, le génial moine bénédictin Alcuin, crée l'Academia Palatina. Alcuin disait que l'Académie Palatine, à Aix-la-Chapelle, à Arun aujourd'hui, devait être la nouvelle Athènes. On est en 800, il y a un moine bénédictin qui dit qu'il va créer la nouvelle Athènes. Et il fait recopier dans les scriptoriums de ses frères bénédictins, Platon, Aristote, mais aussi Lucrèce, la philosophie, la physique. Et le fils de Charlemagne, Louis le Pieux, va achever de donner à cette architecture culturelle, qui pour l'instant est une architecture européenne, sa strate, sa consolidation finale. Louis le Pieux va, en 816, prendre un Capitulorum Missaticum,
un capitulaire sur les missis, qui dans toutes, c'est les envoyés du maître, qui dans toute l'Europe vont devoir développer les dispositions d'un autre capitulaire, le Capitulorum Monasticum, qui veut que tous les monastères épouseront une seule règle. Versus unum, une seule regula. La regula, Sancti Benedicti, la règle de Saint-Benoît. Saint-Benoît, un Italien descendant du vieux patricien romain qui, en 540, fait la règle du Mont Cassin, le Mont Cassin, ancien temple d'Apollon, qui devient le temple de la religion nouvelle que les bénédictins vont bâtir pour toute l'Europe. Ce catholicisme bénédictin, avec une règle qui est une véritable petite constitution pour un petit état autarcique, le monastère bénédictin, où l'on prie et on travaille, ce qui permet de n'être pas dépendant de l'extérieur, ora et labora, prier et travail. Ce modèle va développer dans toute l'Europe une transmission, on parle de translatio studiorum, transmission des études au sein de ces monastères, mais aussi un modèle économique, l'autarcie, qui veut dire tout simplement le gouvernement de soi, autarchia, par ce que font toujours les bénédictins aujourd'hui, du fromage, du lait, mais aussi des constructions hydrauliques, des moulins, des ponts, des routes. Ce sont les nouveaux romains, ce sont les continuateurs de la grande culture antique, illuminés par le Christ, avec notamment la fin de l'esclavage, la liberté du chrétien, liberté fondamentale qui va permettre l'amour du travail et le développement économique occidental, chers amis, pendant que tous les autres continuent de considérer que le travail, c'est quelque chose de subordonné et d'ignoble et que l'esclavage doit donc s'en charger. Et je rappelle que cet esclavage a continué dans l'ensemble des autres civilisations hors de la civilisation chrétienne jusqu'au XXe siècle, là où les papes l'ont interdit dès les débuts du droit canonique, dès le Ve siècle en réalité, même s'ils auront du mal à faire accepter cette règle. Donc, un modèle culturel, un modèle économique, mais aussi un modèle politique. Parce que ces monastères qui sont donc désormais unis sous la règle de Saint-Benoît, ce sont aussi des lieux de gouvernement, je l'ai dit, d'autarcie. C'est aussi une autarcie politique. L'abbé, ce qui veut dire le père, est élu par ses moines. On en discute dans l'abbaye, il y a un gouvernement de l'abbaye. On discute dans la salle capitulaire, la salle du chapitre, qui est la salle où chaque jour on lit l'un des 73 chapitres, capitula, de la règle de Saint-Benoît. Et après avoir lu la règle du jour, on discute, c'est un parlement, on a voix au chapitre. Lorsque les bénédictins connaîtront une réforme, les cisterciens qui suivent la règle de Saint-Benoît, en revenant aux sources, 500 ans plus tard, au XIe siècle, fin du XIe siècle, et surtout au XIIe siècle, les cisterciens développeront ce gouvernement monastique. À l'intérieur des monastères, il y a une démocratie monastique. Mais aussi en Europe, les cisterciens créeront dans la Carta Caritatis en 119, sous l'abbé Étienne Harding, ils créeront dans la Carta Caritatis le chapitre général. À la fête de la Sainte-Croix, tous les 14 septembre, tous les cisterciens de la chrétienté, ça part du Portugal et ça va jusqu'à la Norvège, c'est l'Europe, se réunissent à Cîteaux, en France, pour tenir le Parlement européen des moines. Et dans ce Parlement européen, comment peut-on penser gouverner ? On gouverne selon le Christ. C'est-à-dire que le Christ est mort et à la fois il est présent dans le christianisme. Il est mort et il y a son absence physique, mais il est présent, il est ressuscité, il y a sa présence métaphysique. Les chrétiens appellent ça depuis saint Paul, vous voyez, depuis les années 50, quelques 20 ans après la mort du Christ, corpus mysticum Christi, le corps mystique du Christ. Chaque chrétien est une cellule du corps mystique du Christ qui se reconstitue dans leur assemblée. Et à ce moment-là, le Christ parle.
C'est ce que font les monastères. Ils font parler le Christ dans le peuple de Dieu. Et il y a dans le christianisme un rapport au peuple. Populus Dei, il y a un peuple de Dieu. Et quand il s'assemble au nom du Christ, le Christ parle. Ça peut nous sembler mystique, religieux, étrange. Chers amis, c'est l'origine du concept de représentation en Occident. La représentation politique vient de la sécularisation de cet usage chrétien du gouvernement. Quand vous votez pour un député, vous pensez qu'il va vous représenter? Franchement, c'est de la foi. L'Assemblée nationale est supposée représenter la nation. C'est le corps mystique de la nation. C'est de la foi. Et là, la nation parle. C'est impossible pour les anciens. C'est possible par les chrétiens. Dans l'architecture culturelle de la nation française et de toutes les nations d'Europe, le catholicisme est au cœur de notre représentation politique même. Le grand Léo Moulin, historien du droit constitutionnel, l'a amplement montré. Alors, vous l'avez compris, c'est une religion impériale, arche de l'héritage antique, qui a profondément structuré notre vie culturelle et politique, et cela a donné une religion continentale, ce qu'on a appelé la Respublica Christiana. La France a été une part de l'Europe parce qu'elle a été une part de la chose publique chrétienne. C'est comme ça que les catholiques appellent leur continent au Moyen-Âge, Res Publica Christiana, la chose publique chrétienne. Cette chrétienté, Christianitas, elle est continentale. C'est, on l'a dit, une Europe bénédictine. C'est aussi une Europe... Quand les villes se seront reconstruites grâce aux grandes paix de Dieu, ce seront aussi des universités urbaines. Et là, qu'est-ce que c'est que la culture française et la culture européenne? Ce sont les universités catholiques. Catholiques. Jusqu'au XXe siècle, et encore aujourd'hui. C'est ça la culture européenne. Et ça a commencé avec Charlemagne, 789. Le capitulaire par lequel Charlemagne, comme le disait France Gall, a eu cette idée folle d'inventer l'école. 789, déjà, l'école, c'est les moines, les évêques en ville, les abbés à la campagne, qui font l'école. Quelle ingratitude, 1000 ans plus tard, quand en 1789, on reprochera à l'Église d'avoir été un facteur d'obscurantisme, là où, très exactement, 1000 ans plus tôt, en 789, elle avait commencé avec le père politique de l'Europe, Charlemagne, d'être le lieu de l'instruction. Donc, c'est une Europe des universités, c'est une Europe pour les juristes, je le dis, car le cercle Maupoux est un cercle qui s'est bâti autour de jeunes juristes sous le patronage tutélaire du ministre de la Justice de Louis XV. Pour les juristes, c'est l'Europe du jus commune, un droit commun à toute l'Europe, un droit uni par la langue latine, un droit commun par ces dispositions, le droit canonique. Le droit canon. Canon, en grec, c'est la règle au sens, la règle parfaite, l'idéal. L'idéal de beauté. Aujourd'hui encore, dans le langage populaire, on dit d'une demoiselle qu'elle est canon. Elle correspond à un idéal. L'idée qu'au-delà de nos faiblesses, pécheresses, pécamineuses dans la théologie chrétienne, nous puissions nous élever vers l'idéal, c'est ça le ce qu'on appelle le jus commune. Dans toute l'Europe, il y a un jus proprium, un droit particulier. Ce sont les coutumes. 90% du droit médiéval, pendant 1000 ans, les coutumes très particulières, très adaptées, le droit le plus démocratique. Et il y a quelques 10% du droit de cette sorte de mont de la chrétienté. Sa fine pointe, c'est le droit canonique. Un droit où des jeunes venus de toute l'Europe passent de leur langue propre au latin, langue une, passent de leur droit propre, la coutume, à leur droit commun, le droit commun, jus commune, qui est un droit qui a deux branches, droit romain et droit chrétien. Vous voyez, ce n'est pas séparable. Ecclesia Catholica Romana, droit romain, romanistique médiéval et droit canonique, le droit de l'Église propre. Et là, on essaie de mettre de l'ordre dans les coutumes, les mauvaises coutumes, les coutumes choquantes. On essaie d'harmoniser.
Retenons cette idée, un droit pour toute l'Europe et un droit idéal, car cette idée sera sécularisée, elle se retournera, et aujourd'hui elle nous coûtera cher, devant les cours européennes. Alors, le catholicisme c'est aussi, et j'accélère, ce sont des choses encore plus connues, le catholicisme c'est aussi le formateur de l'identité de la France, non plus comme part de l'Europe, mais comme royaume spécifique. C'est très important, c'est quelque chose qui nous est beaucoup plus familier, c'est le regnum primogenitum, le royaume aîné. On sait pourquoi, parce que la nation française est née de ce qu'on appelle dans la théologie chrétienne une naissance spirituelle. Elle est née d'un baptême, chers amis. Il y a une date de naissance de la France, nous la connaissons, c'est Noël 496. C'est le 25 décembre 496, c'est le baptême de Clovis, on le sait. Ce baptême de Clovis, il a été préparé par des éléments qui sont impressionnants, comme un élément de prédestination de la culture celtique à l'intérieur de cette vocation religieuse de la France. On en a beaucoup parlé en sciences des religions. La France appartient à l'Europe occidentale, et dans ses racines gauloises, elle appartient à l'Europe celtique. Les historiens des religions et des mythes, spécialement le grand Dumézil, mais aussi le grand Émile Benveniste, ont montré que dans ce monde qu'ils appellent indo-européen, les deux extrémités du monde indo-européen, c'est-à-dire les îles celtiques et l'Inde, parce qu'elles sont les plus extrêmes, extrême occident et extrême orient si on veut de ce monde-là, sont restées les plus pures dans leur disposition sociale, mais aussi mythologique et religieuse. Et de même qu'en Inde, on connaît un système assez... On a longtemps connu, jusqu'au XXe siècle, un système de caste, où la caste sacerdotale est première, les brahmanes, n'est-ce pas? Eh bien, de même, dans le monde celtique, il y a une caste sacerdotale très forte, qui est la caste druidique. On la connaît bien, parce que quand César fait la conquête de la Gaule, dans De Bello Gallico, il raconte, en 51 avant Jésus-Christ, comment les Gaulois ont une structure sociale tripartite, des druides, des chevaliers et des paysans, qui lui semble étrange, parce que c'est un homme de l'Empire romain urbain qui a oublié les racines de Rome, qui étaient structurées d'après les mythes romains de la même façon. À l'autre bout du monde indo-européen, Brahman Kshatriya, et Vaishya et Shudra montrent la même structure. Il y a une primauté de la caste sacerdotale. Les druides sont à la fois prêtres, maîtres d'école, médecins et juges. Cette marque particulière qui est propre au monde celtique explique l'extraordinaire précocité du christianisme dans le monde celtique, au temps même des persécutions. Autant des persécutions, c'est le monde celtique qui a les premiers martyrs. Le monde celtique va apporter des grands saints. On connaît Saint Patrick en Irlande, on connaît Saint Colomban qui nous vient d'Irlande aussi. Mais en Gaule, on connaît Sainte Blandine de Lyon, très tôt. On connaît Saint Denis de Paris, très tôt, au IIIe siècle. On connaît Saint Martin de Tours. Et évidemment, à partir de Saint-Martin de Tours, eh bien, on arrive, puisque le monastère de Tours acceptera Clotilde après la mort de Clovis, elle deviendra Sainte-Clotilde, eh bien, on arrive aux Francs. Il y a toute une préparation impressionnante de la chrétienté en Gaule. Il y a un témoignage, c'est ce que veut dire martyr, ça veut dire témoin, comme vous le savez. Il y a un témoignage très fort qui fait que il y a toutes les raisons pour le clergé catholique, après la chute de l'institution tutélaire impériale romaine, de penser que c'est dans ce lieu que peut se relever la chrétienté, ou que va s'édifier la chrétienté médiévale. D'où le pari qui est fait sur Clovis. Et c'est vrai qu'effectivement, Clovis, à travers une bataille que nous connaissons, date de naissance de la France, la bataille de Tolbiac, effectivement... contre les Alamans, il est en infériorité, il va perdre la bataille. Ça nous rappelle quelqu'un, ça nous rappelle Constantin. Alors il ne va pas prier le dieu de sa mère comme Constantin, mais le dieu de sa femme, Clotilde, la princesse catholique burgonde. Et il gagne la bataille de Tolbiac. Alors comme Constantin, il va remercier l'Église. Il va aller plus loin, Constantin se
fait baptiser sur son lit de mort. Clovis se fait baptiser après la bataille de Tolbiac. La France naît des eaux lustrales de Reims, de la main de Saint-Rémy. Ce pourquoi, vous le savez, elle sera, cette cathédrale de Reims, la cathédrale du Sacre, ensuite, au Moyen-Âge classique. Et effectivement, comment un pays peut-il nier ce qu'il a fait naître sans qu'il y ait une profonde conséquence culturelle et identitaire, on peut le deviner. Donc, cette précédence de la fille aînée de l'Église, car tel est le titre que du coup Saint-Rémy va donner à Clovis, il va être filius primogenitus, la Francia va être filia primogenita ecclésiae, fille aînée de l'Église. Ce titre a été répété par Jean-Paul II quand il est venu pour les 1500 ans du baptême de Clovis célébrer à Reims cet anniversaire. Il a interpellé la France. « France, fille aînée de l'Église, qu'as-tu fait des promesses de ton baptême ?» Alors, cette précédence, elle a été poursuivie au Moyen-Âge par tout ce que nous savons, et donc je passe plus vite encore. L'introduction du sacre. En France, ça existe en Espagne visigothique, mais la conquête arabe va évidemment mettre à mal cette transmission de la tradition biblique hébraïque du sacre en Espagne, vous le savez. Donc c'est en France qu'il y a une translation de l'histoire sainte qui est très frappante, que vous voyez sur les tympans des églises romanes ou des cathédrales. Vous avez sans doute vu que ça commence par le roi David, le roi Salomon, et puis on arrive à Clovis, Pépin le Bref, ainsi de suite. La France devient le nouvel Israël. C'est-à-dire que depuis la fin du Temple, depuis l'apparition du christianisme, et depuis que l'Église a fait de la France la fille aînée, il y a un incroyable messianisme dont est investi le roi de France. Incontestablement. Ce messianisme est important. Il est fondateur, il sera plus tard source, on le verra, de problèmes inattendus. Mais ce messianisme, il est essentiel. Le pape Zacharie, puis le pape Étienne II, deux fois, vont autoriser, puis sacrer, Pépin le Bref. C'est quelque chose d'extraordinaire. Le ciel descend sur la terre. Hein. Le sacre, c'est quelque chose dont on pourrait parler des heures, évidemment. C'est à proprement parler la structure cruciforme qui est au cœur du christianisme, qui se fait politique. Le ciel descend sur la terre. Et le sacre va donner aux Carolingiens une primauté extraordinaire en Europe, une primauté extraordinaire aussi à l'intérieur de leur propre royaume. Vous savez, ce sera très utile pour le petit roi féodal quand il aura à lutter contre de grands seigneurs qui seront souvent plus puissants que lui, mais pas sacrés, qui n'auront pas reçu la cérémonie du sacre. Donc c'est un moment très important. Et pourquoi le sacre de Pépin le Bref? Pourquoi d'ailleurs on est passé des Mérovingiens aux Carolingiens? Je le dis au passage, parce que l'Église reconnaît une puissance dynastique qui va pouvoir sauver à nouveau le catholicisme. Les Mérovingiens sont légitimes comme première dynastie royale parce que, pourquoi ils s'appellent Carolingiens? Parce que Mérové a arrêté en 451 les Huns à la bataille des Champs cataloniques. Sainte-Geneviève de Paris a essayé de sauver Paris, ils sont partis vers la Champagne et ils vont être arrêtés par Mérové. Mérové arrête les Huns, il arrête Attila, mais il arrête aussi, par conséquent, le saccage de la culture antique, le saccage de la culture chrétienne antique. Mais quand les Mérovingiens sont devenus les rois fainéants, pourquoi va-t-on chercher les Carolingiens? Carolus, est-ce que c'est Charlemagne? Non, c'est Carolus Martellus, c'est Charles Martel, le père de Pépin le Bref. Charles Martel a arrêté les musulmans à Poitiers en 732, 100 ans exactement avant le début de l'Égypte, après la mort de Mahomet. 100 ans de victoire de l'islam arrêté par Charles Martel. La légitimité de la sauvegarde
de l'identité chrétienne de la France et de l'identité populaire de la France. C'est un tout, ce peuple de Dieu. L'Église choisit de faire une translation dynastique. Et quand les Capétiens recevront à leur tour cette translation, pourquoi ? Parce que les Carolingiens n'assurent plus la sécurité face à d'autres, une autre menace qui n'est la menace musulmane demeure dans des parties méridionales du royaume, mais c'est surtout la menace septentrionale des hommes du Nord, des Northmen, des Normands, des Vikings. Et c'est parce que Robert le Fort, puis son fils Eudes, arrêtent les Vikings à partir de la bataille de la Loire de 1862 que l'Église, en la personne d'Adalbéron de Reims, la cathédrale du Sacre, investit Hugues Capet, qui descend de Robert et d'Eudes. Et en 987, pourquoi s'appelle-t-il Capet ? Parce que Adalbéron de Reims a posé sur ses épaules la capa de Saint-Martin, le fameux manteau que Saint-Martin a coupé en deux, vous savez, pour en donner la moitié à un pauvre. Et il a gardé l'autre moitié, qui est toujours conservée au monastère Saint-Martin de Tours. Ça a été le vêtement de la campagne électorale du Capet. Il a été revêtu de la capa. En permanence, notre histoire politique, la légitimité, l'arché de l'autorité chez nous vient, vous le voyez, eh bien, de ce lien spécifique avec le catholicisme. Alors, cette fille aînée de l'Église, elle est au Moyen-Âge, celle qui a, et j'en viens à la fin de cette première partie, je serai beaucoup plus bref sur la seconde que vous connaissez malheureusement mieux, celle dont nous souffrons. Mais terminons cette première partie en remarquant que, à la fin du Moyen-Âge, vous savez que l'Empire est passé aux Germains. En 962, Translatio Imperia Germanos, le Saint-Empire romain germanique est né en 962, avec les Ottoniens. L'Église reconstitue l'Empire. Et pourtant, la France continue d'être parallèlement fille aînée de l'Église. Comment ça s'est organisé ? De façon très spéciale, c'est-à-dire que l'Empire est supposé dominer l'Europe, mais il y a un statut spécial de la France qui n'y est pas soumis. Et les papes reconnaissent ce statut. C'est le fameux principe « Rex Franciae in suo regno princeps ». Le roi de France est empereur en son royaume. Et la France conserve comme une sorte de précédence. Elle a été le premier empire carolingien. Et les rois de France candidateront à l'Empire. François Ier candidatera, l'Empire est électif hein, chez les Germains. François Ier candidatera, il sera malheureux, Charles Quint l'emportera, et ce sera un grand conflit. Louis XIV candidatera à l'Empire. La France n'a jamais tout à fait perdu sa mélancolie française, comme l'a écrit Éric Zemmour dans un brillant ouvrage de ce titre, dans lequel il dit que, selon lui, le moteur de l'histoire de France est la mélancolie de Rome. Et donc, vous le voyez, ça a été un statut tout à fait particulier. Voyons comment ce statut s'est renversé. Voyons-le plus rapidement. Plus rapidement parce qu'on le sait, le propre d'une chute, c'est de s'accélérer. Il y a eu dans notre histoire d'abord un renversement de la primogéniture dont nous venons de parler. Et puis il y aura carrément un renversement de l'ensemble de la sacralité qui a fait l'objet de tout notre propos. D'abord, renversement de la primogéniture. On est passé de la précession, hein, le fait de précéder, à la sécession, le fait de se couper. De la précession à la sécession, c'est l'histoire complexe de l'absolutisme français. Il y a une double altération du corpus mysticum. Le corpus mysticum regni, le corps mystique du royaume, va être altéré par l'absolutisme, par un affaiblissement des médiations, parce que le roi va demander à avoir une autorité sans limite, absolutus, celui qui est délié en latin, des liens traditionnels. Ça n'est jamais allé jusqu'au bout, et ça ne serait jamais allé jusqu'au bout sans la Révolution. Mais le choix n'était pas véritablement entre les mains de nos rois. Comme l'a dit Yves-Marie Bercé, il y a une naissance dramatique de l'absolutisme. L'absolutisme est né dans le sang des guerres de religion. La grande césure, la déchirure dans le manteau sans couture de l'Église, pour prendre une image évangélique, c'est la réforme.
et j'espère que nos hôtes nous pardonneront cette formulation. Elle l'est, peut-être pour le meilleur théologique, nos hôtes nous le diront peut-être, notamment dans le dialogue qui s'instaurera dans les questions, mais du point de vue historique, c'est évidemment le déchirement de la Respublica Christiana. Et quand le toit dont nous avons parlé en introduction s'effondre, la maison prend l'eau. La maison européenne s'altère à partir de la réforme. C'est quelque chose qui va être analysé, porté sans cesse pendant 400 ans. La Respublica Christiana n'est plus possible. Ce qui unissait est désormais ce qui divise. Tragédie suprême. Et donc, on ne peut plus faire l'unité par le spirituel. Et quand on ne peut plus faire l'unité par en haut, eh bien, on cherche à faire l'uniformité par en bas. Quand on ne peut plus unir par l'esprit, il va falloir unir par les corps, par la contrainte administrative et politique. Et donc, on va passer de l'unité religieuse à l'unité politique. En France, il y a une grande tradition intellectuelle, le parti des politiques. Ni pour le parti des protestants, des huguenots, ni pour le parti des catholiques, les ligueurs. Et ce parti des politiques, avec le grand Jean Bodin, va faire naître l'idée de souveraineté, d'une souveraineté qui est politique, qui est directement politique, ou en tout cas qui tient directement de Dieu sa légitimité sans passer par la médiation de l'Église. Et quand on se prive de la médiation de l'Église, on se privera aussi de la médiation de l'aristocratie, de la médiation des provinces, de la médiation des corporations, de la médiation des ordres, de la médiation des paroisses, de la médiation des coutumes, progressivement. Et donc c'est une altération de la médiation. Or, chers amis, si nous avions le temps de faire de la théologie, nous dirions que le catholicisme est une religion de l'incarnation et de la médiation. Le catholicisme est une religion d'un corps physique puis mystique. C'est extrêmement important, on pourra en parler longuement, on en parlera peut-être. Et c'est une religion de la médiation. Le Christ est une médiation entre le Père et les hommes et les trois personnes de la Trinité, car le Christ qui est présent sans être présent, c'est le Saint-Esprit qui vient à la Pentecôte. Ces trois personnes de la Trinité sont dans un lien permanent de relation. Le christianisme est une religion de la relation, ça nous mènerait très loin. Un royaume chrétien doit être un royaume corporatif et fait de médiations institutionnelles. Alors, c'est une première atteinte à cette diversité. La monarchie absolue, ce n'est pas la royauté sacrée, car le sacre devient très secondaire. L'hérédité l'emporte. Le roi serait directement roi voulu par Dieu. Ce serait conforme à l'Écriture sainte, nous dit Bossuet, dans la politique tirée des propres paroles de l'Écriture sainte, qui ressemble beaucoup à du protestantisme, de ce fait, car on ne passe plus par la médiation de l'Église. Et puis, il va y avoir une altération du corpus mysticum imperii, l'Europe. Car en effet, à partir de là, la France commence à jouer cavalier seul. On le voit très vite. C'est comme une trahison de la chrétienté. Ça commence, nous le savons, en 1536, François Ier fait l'alliance franco-ottomane. Il n'a pas pu être élu à l'Empire. Il va s'opposer à celui qui a été élu, Charles Quint. Et c'est assez grave. Soliman Ier, le Magnifique, va venir mouiller ses bateaux dans le port de Toulon. C'est le début d'une atteinte à la solidarité civilisationnelle par la France. Bien sûr, pour des raisons de politique internationale. Mais ensuite, un peu plus tard, dans le XVIe siècle, en 1571, le 7 octobre 1571, le pape Pie V, le grand Saint Pie V, appelle toute la chrétienté à une croisade contre les Ottomans, qui ont désormais, vous le savez, le califat, et qui dominent le monde musulman, et qui sont entrés en Europe, comme en témoignent encore aujourd'hui un certain nombre d'États européens. La bataille de Lépante, le 7 octobre, 1571, voit toute l'Europe unie à l'appel de Saint-Pie V. Il manque la France. La France a fait sécession. Un siècle plus tard, lors du siège de Vienne, quand toute l'Europe cherche à conjurer le retour des Ottomans à Vienne, le 12 septembre 1683, à la bataille du Kahlenberg, Jean III Sobieski, le roi de Pologne,
permettra de sauver Vienne avec ses magnifiques hussards ailés. Mais Louis XIV, qui n'avait qu'à claquer des doigts pour permettre la victoire, n'est pas venu. Et cette sécession, elle va se confirmer dans ce qui n'est plus une hétérotélie, c'est-à-dire une déviation mineure, mais une déviation majeure. C'est la sécularisation du messianisme français dans la République française. Car il y a aussi un messianisme républicain. La France, fille aînée de l'Église, devient en 1789 la fille aînée de la Révolution. Ce n'est pas un vain mot. Jamais la Révolution française n'aurait eu un retentissement mondial, on n'en parlerait plus, si elle n'avait pas eu lieu en France, c'est-à-dire chez la fille aînée de l'Église, qui pour cette raison de primogéniture était la maîtresse de l'Europe. Et évidemment par le génie militaire de ses rois sacrés. Lorsque, évidemment au XVIIIe siècle, dans une Europe qui parle français, dont toutes les cours parlent français, éclate la Révolution française, bien sûr que ce sera une révolution européenne, et bien sûr que c'est le début d'une forme de révolution mondiale. Le messianisme se transforme. Le messianisme s'inverse en quelque sorte. Il était religieux, il devient franchement anti-religieux. Mais la prétention à l'universalisme demeure. Le catholicisme, à proprement parler, n'est pas un universalisme, c'est une universalité. C'est-à-dire que le catholicisme parle à l'essence, l'universalité, ce qui en nous est universel. La Révolution française va, elle, être universaliste. C'est très différent. Ce n'est plus, encore une fois, l'union par la spiritualité, ça va être l'union par un certain nombre de principes politiques et juridiques qu'elle va prétendre imposer d'abord à toutes les petites patries de France, toutes nos provinces qui seront toutes supprimées, mais en 6 mois, par les lois des 14 et 22 décembre 1789, où toutes nos provinces, tous nos parlers provinciaux, tous nos patois, toutes nos coutumes, tous nos parlements disparaissent d'un trait de plume au nom d'une nouvelle universalité qui serait celle des Lumières et de la raison. Le messianisme s'est transformé et la religion se transforme profondément. On ne l'a pas conçu tout de suite. On le conçoit à l'époque, puis il y a eu la Restauration, il y a eu l'Empire, la Restauration, le Second Empire. Mais aujourd'hui, nous sommes revenus à la Révolution parce qu'elle est fondatrice et que son fondement n'a jamais été remis en cause. Et donc aujourd'hui, nous voyons bien ce qui a été fondé à ce moment-là. C'est une religion. C'est ce que mon maître et collègue Jean-Louis Harwell appelle la religion des droits de l'homme. Les droits de l'homme sont un culte. Et c'est pourquoi se renverse la sacralité. Terminons par cela. Le renversement de la sacralité, c'est à l'intérieur de l'histoire de notre nation le passage de ce qui était spirituel à ce qui ne devient que philosophique. Et une nation qui était le peuple de Dieu, c'est-à-dire que qui avait sans doute la tête dans les étoiles, mais les pieds fermement enracinés sur terre, le vieux peuple des paysans chrétiens qui précède 1789, ce peuple qui est celui qui envoie les députés aux États généraux. On votait dans l'ancienne France. C'était d'ailleurs beaucoup plus démocratique, le mandat était impératif. On votait à partir de cahiers, le député venait faire pour le temps imparti par ses électeurs, le programme de ses électeurs, pas son programme à lui. Et puis on rentrait chez soi, les électeurs cessaient de payer l'auberge. Eh bien, ce peuple concret, ce peuple chrétien, il est annulé dès le préambule de la Déclaration des droits de l'homme, où il est écrit que les représentants du peuple français, la nation concrète s'appelle le peuple, réunis en Assemblée nationale. Mais personne ne le leur a demandé. Et ils n'ont pas été élus pour ça. On ne le trouve pas dans les cahiers de doléances. Ça ne fait pas partie de leur mandat. C'est une usurpation. Motu proprio de leur propre mouvement déclare qu'ils sont l'Assemblée nationale. La nation, A majuscule, la nation une, qui aura son clergé, la représentation nationale, qui aura
son droit un, la loi unique contre les coutumes qui n'existe plus. Cette nation en majuscule, c'est une nation abstraite. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, la France chrétienne est beaucoup plus concrète que la France qui n'est plus chrétienne, qui est infiniment plus abstraite en réalité. Parce qu'elle ne considère plus l'homme dans sa hiérarchie, de la tête aux pieds, du ciel à la terre, mais seulement dans sa raison. Et cela va renverser notre sacralité, nous allons le voir, par un double mouvement par lequel je termine, le renversement de la primauté, d'abord, le renversement de la primauté sacerdotale. On l'a dit, des druides au clergé catholique qui sacraient le roi, il y a toujours eu le premier ordre du royaume. Vous vous souvenez des 13 ordinaises, des 3 ordres, clergé, noblesse, tiers état. La Révolution n'a pas aboli le clergé, elle l'a reconstitué. Il faut lire Régis Debray, ses merveilleux traités de médiologie. Régis Debray a montré, dès son ouvrage de 1979, Le pouvoir intellectuel en France, comment, parce que l'homme est un animal culturel, il lui est impossible de vivre sans un magistère qui dit la parole. Et ce magistère, quand le clergé légitime a été renversé, il a été remplacé par un autre clergé. Il a été remplacé par un clergé, un parti intellectuel, dit Régis Debray. Debray montre comment ce parti a d'abord été les professeurs d'université laïques et souvent francs-maçons de la Troisième République. Puis comment il est devenu les grands patrons de presse et les journalistes du début du XXe siècle. Puis, quand la télévision est apparue, comment l'Église catholique a été remplacée par l'Église cathodique ? Comment la culture de messe a été remplacée par la culture de masse ? Et comment un clergé nouveau s'est dégagé, qui aura ses privilèges, premier ordre du royaume, le journaliste, l'homme de médias, et comment il va remplacer la Sainte Inquisition par le tribunal de la Sainte Investigation, dont aujourd'hui le Saint-Lieu est Mediapart, comment un groupe d'hommes prétend avoir, par une inspiration divine, la parole autorisée. Et cette parole autorisée permet de mettre en cause n'importe qui, sans jamais être mis en cause soi-même, sans jamais être responsable. C'est ce que Mathieu Bock-Côté appelle brillamment l'empire du politiquement correct, qui est en fait un empire médiatique, dont nous sous-estimons les effets. Nous vivons, chers amis, sous la férule de cette caste sacerdotale. Le premier ordre du royaume a des privilèges fiscaux, comme vous devez le savoir, les privilèges fiscaux des journalistes qui rappellent furieusement ceux de l'ancien clergé. Le premier ordre du royaume dit la parole sainte. Le premier ordre du royaume est le clerc de la religion des droits de l'homme. Il organise de grandes messes émotives, émotionnelles, où sera condamné, expié le pécheur. Et il a son bras séculier, comme l'ancien clergé, il a les juges. Alors, ce n'est plus évidemment un hypothétique tribunal de la Sainte Inquisition, c'est une sécularisation, en fait, du droit canonique à l'intérieur d'un phénomène dont on parle à juste titre de plus en plus, le gouvernement des juges. Comment est-il possible que des gens non élus, pas davantage élus que les journalistes, avec lesquels ils forment un binôme, plus qu'un binôme, une tenaille dont les deux mâchoires brisent les peuples, brisent leur volonté, brisent la volonté des représentants même des peuples, le journaliste et le juge, brisent un candidat à la présidentielle, par exemple, comme François Fillon, c'est-à-dire quelqu'un qui a été mandaté par son parti, qui allait recevoir des suffrages. Deux personnages qui ne reçoivent pas de suffrage, le juge et le journaliste, peuvent l'éliminer. C'est un exemple parmi tant d'autres. Comment est-ce possible ? D'où vient leur mystérieuse légitimité ?
d'une instance métaphysique de cette religion des droits de l'homme et d'un certain nombre de moyens, effectivement, néocléricaux, d'une inviolabilité du magistrat, d'une inviolabilité, finalement, du journaliste, et d'un financement de tout cela par les fidèles. Une dîme est perçue, les subventions aux médias, et puis bien sûr, les émoluments de la magistrature. Comment est-il possible qu'au nom de principes démocratiques soit brisée la démocratie elle-même? Comment le Conseil constitutionnel non élu, les conseillers d'État non élus, les magistrats de la Cour de cassation non élus, peuvent remettre en cause l'application de lois votées par les Français? Même du point de vue tout à fait républicain de leur représentation nationale, il y a un énorme problème. Et comment la volonté des États, et la volonté en réalité des peuples européens dans leur ensemble, peut-elle être annihilée par la Cour de justice des communautés européennes à Luxembourg ou la Cour européenne des droits de l'homme? Comment est-ce possible? Seulement par, vous le voyez, la prégnance, la rémanence, la pérennité de ce modèle sacerdotal. Ce modèle sacerdotal inversé, ce modèle sacerdotal probablement usurpé, ce modèle sacerdotal qui doit être, je pense, dénoncé. Ce qui amène à notre point final, le renversement de la laïcité. Car on parle beaucoup du caractère fondateur du christianisme, qu'est la laïcité. Redite caesar caesari et dei deo. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Les paroles du Christ. En effet, il y a dans le christianisme cette distinction. Cette distinction qui, dans le christianisme, est, j'ai bien dit, distinction. C'est-à-dire, si l'on veut, articulation. Articulation que fait le Christ entre ces deux natures, quand on y réfléchit. Le Christ, dit la théologie chrétienne, est vrai Dieu et vrai homme. Vrai Dieu et vrai homme. Il participe de deux règnes. Et il parle très logiquement de ces deux règnes. Il y a un règne de l'idéal, qui sera celui du droit canonique, le royaume de Dieu, que l'on doit rendre à Dieu, et qui correspond à ce qui en nous, effectivement, est de l'ordre du ciel, est de l'ordre du logos, est de l'ordre de l'arché. Ceux qui n'ont pas de foi particulière pourront presque dire qu'il est de l'ordre de la culture, sous sa forme sacrale. Et il y a ce que nous devons à César, qui est de l'ordre du temporel, qui est de l'ordre du matériel, qui est de l'ordre du financier, du fiscal, et de notre nature humaine, c'est-à-dire, du point de vue chrétien, des conséquences de la chute. Mais Aristote aurait dit des conséquences de la nature humaine. Et de ce point de vue, la laïcité est, me semble-t-il, profondément, comment dirais-je, c'est un kataolos, elle correspond au tout qu'est l'homme. Il est ciel et terre. Et les sociétés européennes n'ont pas hermétiquement séparé le spirituel et le temporel. Il faut arrêter de dire que le christianisme a séparé le spirituel et le temporel de façon hermétique. Dans ce cas-là, toute l'histoire de France et toute l'histoire de l'Europe, chers amis, devient incompréhensible. Est-ce que nous voulons vraiment nous donner ce ridicule? Laissons-le aux journalistes et aux hommes politiques. Il n'y a pas séparation, il y a distinction. Ce qui change, évidemment, dans les temps contemporains en France, c'est le passage de la distinction à la séparation, c'est-à-dire la coupure. Et ça, ce n'est pas de la laïcité, à mon sens, c'est du laïcisme. Ce laïcisme, nous en savons quelle a été son expression, c'est la loi de 1905, la loi de séparation de l'Église et de l'État. Ce n'est pas que, comme on cherche à nous le dire, une loi qui met fin à l'obscurantisme de l'Ancien Régime. C'est une loi qui met fin à l'édit de Thessalonique. Par extension, c'est une loi qui met fin à la structuration de toutes les strates culturelles, c'est ainsi, de l'Europe et de la France.
Donc cette désédimentation ne sera pas sans conséquence. Alors, la loi de 1905, elle rappelle au fond que la République, effectivement, hérite entièrement, en le retournant, l'héritage de l'Église, à commencer par l'héritage matériel. Vous le savez, la Révolution française n'a pu effectivement mettre fin, de son point de vue, au règne de l'Église, à la monarchie chrétienne, qu'en confisquant les biens de l'Église. La Révolution française a pu se réaliser par la nationalisation des biens du clergé. Vous le savez, dès 1789, sur l'idée pour le moins perverse de l'évêque Talleyrand, les biens du clergé sont nationalisés. C'est la plus grande fortune de France, le plus grand patrimoine de France. Ça représentait 10 ans du budget annuel de l'État monarchique, qui est soudain, d'un trait de plume révolutionnaire, d'un trait de plume de la loi, de ces gens qui disent qu'ils sont l'Assemblée nationale, que personne ne leur a demandé d'être, confisque, ça s'appelle vol, le patrimoine de l'Église. Sur ce vol initial, la Révolution financera la Révolution, financera la guerre contre les monarchies européennes, financera la conquête impériale de l'Europe. Bonaparte lui-même est le génie que nous savons et le candidat de la bourgeoisie qui ne veut pas rendre les biens nationaux. Les biens nationaux, c'est ce qui permet à la Révolution d'avoir une clientèle politique. Si la monarchie revient, les biens nationaux devront être rendus, pense-t-on. C'est une des opérations à la fois les plus extraordinairement malhonnêtes et les plus extraordinairement géniales de l'histoire politique française, sans doute. Ces biens nationaux que Bonaparte s'engage lors de son sacre à conserver, dans ce qui me semble un simulacre de sacre en 1804, on est assez loin de l'engagement des rois de France. Il promet aux bourgeois français de ne pas rendre les biens volés à l'Église. Eh bien, ces biens nationaux qui ira vers la fonctionnalisation du clergé, le clergé constitutionnel de la Révolution, puis le clergé du Concordat de 1801, c'est déjà mieux, le pape peut intervenir, reconnaître au moins les évêques. Eh bien, on annonce en 1905 qu'il redevient libre, mais la République garde ses biens. Voilà, vous pouvez redevenir libre, mais on garde ce qu'on vous avait pris. Alors, le diable porte pierre, parce qu'aujourd'hui, ce processus de sécularisation et d'hostilité à la tradition véritablement native de la France fait que il est bien possible que les églises auraient du mal à s'entretenir si elles n'étaient pas aujourd'hui propriétés en effet de l'État. Mais constatons, cette nouvelle grande liberté que s'est donnée la République dans la gestion des biens de l'Église dans la loi de 1905, en disant donc que la République garde les biens de l'Église et elle ne finance ni ne subventionne aucun culte. Alors, c'est un phénomène de neutralisation qui est à l'œuvre et qui est tout à fait, me semble-t-il, caractéristique de ce qu'est le libéralisme. Comme l'a remarqué le grand constitutionnaliste et publiciste Carl Schmitt, l'époque contemporaine rentre avec le libéralisme dans l'ère de neutralisation. La loi de 1905, pour nous, c'est tout à fait ça. L'État doit être neutre. Axiologiquement neutre, religieusement neutre, c'est le libéralisme. Être neutre dans ses fins dernières. Donc, il n'y a plus de fin dernière, de but ultime de la communauté. Si je suis Durkheim, qui pourtant était républicain, ça signifie que la communauté va se dissoudre, parce qu'elle n'a plus le bien commun, la fin ultime commune. Ça signifie... Nécessairement, il n'y a pas de fin collective, il n'y a plus que des fins individuelles. Ce n'est pas un hasard si ce moment de la neutralisation axiologique, c'est-à-dire en termes de valeur, hein, axios, la valeur, est aussi le début de l'individualisme juridique et de l'individualisme tout court du subjectivisme que nous connaissons aujourd'hui. Je choisis, c'est mon choix, ainsi de suite, aujourd'hui jusqu'à sa nationalité, son sexe même, en dehors des lois de la nature. Parce que la neutralisation, c'est l'individualisation. Alors, neutralisation religieuse, mais aussi neutralisation politique
Il doit y avoir du pluralisme politique des partis. Tout parti a la même valeur, la même parole. Et par conséquent, il est tout à fait possible de tenir un discours opposé à ce qu'a été la tradition nationale avec les moyens de la représentation nationale. Et si vous y réfléchissez, c'est vrai aussi en économie. Neutralisation économique, le libéralisme va dire qu'un État ne peut pas protéger son économie. Ce ne serait pas neutre, ce serait contraire à la liberté, à la concurrence qui doit régner. Et de la sorte, vous voyez comment ce processus de neutralisation qui part de l'axiologie, qui part du religieux, se répand au politique et se répand à l'économique. Et aujourd'hui, on n'a pas le droit d'avoir une crèche dans une mairie, pas plus qu'on a le droit de subventionner une entreprise. Vous voyez le rapport ? On n'a pas le droit de se défendre. Car on ne serait pas neutre. On ne correspondrait pas à une anthropologie rationaliste venue des Lumières qui veut que l'homme n'ait qu'une raison universelle neutre. Ce qui est très improbable. Et que nous sommes les seuls à croire dans le monde. Donc, la logique de la neutralisation est une logique extrêmement problématique qui mène à ce que Durkheim appelait l'anomie, la fin du nomos, la fin de la norme, la fin du sens lui-même. Et c'est ce qui explique, on ne peut qu'en terminer par là, le fait que, eh bien, on est passé de la neutralisation à la substitution. Je sais qu'il est facile de dire que la nature a horreur du vide, mais comment ne pas s'apercevoir qu'au fur et à mesure que l'on interdit les crèches dans les mairies, que l'on ôte les crucifix des salles publiques, comment ne pas remarquer que se multiplient les voiles dans la rue ? Comment ne pas remarquer que se multiplient les boucheries halal ? Comment remarquer, ne pas remarquer que les revendications communautaires dans les cantines sont de plus en plus nombreuses ? Comment ne pas remarquer qu'aujourd'hui, les hommes politiques français qui tiennent tant à la loi de 1905, de façon à ce que l'Église ne puisse pas à nouveau faire un quelconque retour dans la sphère publique, nous demandent finalement de la modifier pour pouvoir financer l'islam de France. Parce que oui, l'islam est financé de l'extérieur. Oui, c'est problématique. Et quel est le résultat ? Il est demandé, c'est magnifique, c'est le renversement final, de changer la loi de 1905 pour permettre le développement d'une religion sur notre sol, mais qui n'est pas la nôtre, et qui se développe d'une façon aujourd'hui absolument exponentielle. En conclusion, chers amis, vous le voyez, je pense que la première des nécessités, c'est d'être conscient de ce qu'est l'architecture culturelle de la nation française. En commençant par savoir qui nous sommes, nous pourrons peut-être nous conserver. Il y a cet élément religieux. Cet élément est essentiel à la culture. Cet élément est essentiel à la connaissance, à la transmission de la connaissance qu'est la culture. Cet élément est essentiel à la cognition elle-même. Car aujourd'hui, un certain nombre de chercheurs en neurosciences s'intéressent à ce que fait la religion aux neurones. Et si vous êtes curieux, vous irez voir ce qu'on appelle aujourd'hui la neurothéologie, qui pose des électrodes sur les moines bouddhistes et sur les sœurs franciscaines, et qui voit ce que ça fait à leur organisme, à leur bien-être, ainsi de suite. L'actuelle, alors c'est une science qui est née à la fin du XXe siècle aux États-Unis, qui se développe actuellement, et qui dit, qui prétend dire, ce sont des débats, scientifiquement, ce que nous venons de dire empiriquement, alors eux disent, Dieu habite le cerveau. Dieu habite le cerveau, en effet. Et ne pas utiliser la place qu'il a dans le cerveau, c'est ne pas vivre pleinement. Il y a dans cette salle un médecin qui s'occupe notamment de la vérification des guérisons miraculeuses à Lourdes. Docteur Dominique Soiris qui nous honore de sa présence. Oui, des gens guérissent à Lourdes. Ils utilisent la place qu'a Dieu en nous.
Ils utilisent ce muscle qui s'est atrophié dans les sociétés sécularisées occidentales. Ils se relient, religio, religare, se relier. Et ils guérissent. Ceux qui connaissent l'histoire de la monarchie française, c'est qu'on venait de toute l'Europe se faire guérir par le roi de France. Après le sacre, le roi imposait les mains. Le roi te touche, Dieu te guérit. Et ils guérissaient. Ils ont guéri jusqu'à Louis XVI inclus. Alors, oui, la religion va continuer d'exister. Et oui, comme le disent les neurothéologiens, Dieu ne disparaîtra pas. Mais ce Dieu, il a en Europe une histoire particulière, une place particulière. Il a pris cette forme particulière au sein de l'Église catholique. Et je crois qu'aujourd'hui, si les Européens veulent continuer d'exister, s'ils veulent continuer l'Europe, ils devront continuer le catholicisme. Il me semble que c'est tout simplement impossible de faire autrement, en réalité. Et continuer le catholicisme, ça me semble tout à fait normal du point de vue catholique. L'Église catholique repose sur une incarnation. Elle ne repose pas sur un livre, ni sur la Torah, ni sur le Coran. Ce n'est pas en réalité une religion du livre. C'est une religion de l'incarnation, ce qui signifie qu'elle vit. Le cardinal Newman, qui n'est pas passé pour rien du protestantisme au catholicisme, a écrit de très belles choses sur le développement organique de l'Église. L'Église doit continuer de se développer. Et il me semble que les peuples qu'elle a entraînés dans sa civilisation doivent y contribuer. L'Église n'a pas terminé son histoire. Elle peut mourir d'une mort artificielle, d'une euthanasie, comme dirait un certain nombre de gens qui travaillent dans ce qu'on appelle des loges, où la loi de 1905 avait été conçue, à une fin de vie artificielle. Mais je pense que l'épanouissement naturel de l'Église a d'autres jours devant elle. Au XIIIe siècle, un moine cistercien, Joachim de Flore, disait qu'il y avait, il y aurait trois règnes de l'Église. Il y avait eu le règne du Père, qui était représenté par la place de l'Ancien Testament, de la loi de Moïse. Le règne du Fils, avec le Christ et l'Évangile. Et Joachim de Flore, dans son monastère cistercien italien du XIIIe siècle, disait « Il y aura un jour le règne de l'Esprit-Saint, puisqu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. » Et qu'est-ce que l'Esprit-Saint ? C'est celui qui met l'accent sur la traduction. Le paraclet, c'est l'avocat et c'est le traducteur. C'est celui qui met l'accent sur le sens, la richesse du sens. La richesse du sens est à redécouvrir aujourd'hui, certainement par les catholiques, à travers tout particulièrement le symbolisme. Le très regretté pape Benoît XVI avait insisté dans ses grandes conférences du mercredi sur la nécessité de comprendre le symbolisme. Les chrétiens d'aujourd'hui ne savent plus ce que c'est que la crèche, c'est la naissance du Christ dans l'Empire romain. L'Empire romain est la crèche de la naissance du Christ. Mais la crèche, c'est la naissance de l'âme en nous, par exemple. Le Christ marche sur l'eau, c'est un miracle pour montrer à ses disciples qu'il est le Fils de Dieu. Mais quand le Christ marche sur l'eau, il nous montre aussi que lui ne coule pas en marchant sur ce qui est l'élément même de l'impermanence qui est l'eau. Rien qu'en écoutant ce récit, nous faisons la différence entre l'être et le devenir et nous renforçons en nous ce qui est ontologique. La croix elle-même n'est pas qu'un instrument de souffrance. Benoît XVI lui-même a écrit que le Christ devait mourir sur la croix, parce que la croix était déjà un symbole sacré dans la plupart des civilisations avant même la venue du Christ. Parce qu'elle est, évidemment, les quatre points cardinaux, parce qu'elle est le ciel et la terre, et parce que porter sa croix, ce n'est pas qu'être souffrant et repentant, comme nous le dit aujourd'hui un clergé épuisé. Porter sa croix, c'est en permanence revenir vers le centre, revenir des branches de la croix vers le cœur, revenir vers le logos de Saint Jean, revenir vers l'arché. Merci.